On va commencer avec deux personnes. Imaginez deux personnes, un employeur et un employé. L'employeur et l'employé se mettent d'accord pour que l'employé ait à déplacer une boîte d'un point à un autre dans une salle. Et ils se mettent d'accord pour qu'à la fin de la journée, l'employeur paye l'employé pour son travail. L'employé se met à travailler. Il a beau forcer, il pousse, il tire, il essaie de lever. Il met énormément d'efforts, d'énergie, de force. Mais vient la fin de la journée, il n'a pas du tout été capable de déplacer la boîte. Il a forcé très fort, il est très fatigué, mais la boîte, elle, n'a pas bougé. L'employeur y revient et puis constate, comme il devrait, que c'est la fin de la journée, la boîte n'est pas là où elle devrait être, la boîte n'a pas bougé. Je vous pose une question, et je veux que vous la répondez dans vos têtes, et c'est très important, pensez-y. En gardant en tête l'entente entre l'employeur et l'employé, qui était que l'employeur allait payer l'employé pour son travail, est-ce que l'employé devrait être payé? C'est une question qui ne date pas d'hier et c'est une question qui nous divise beaucoup. C'est ça, on voit ici une image qui date des années 30 avec un syndicat de Teamsters qui est en train de se prendre dans un discours assez empassionné contre des policiers. Et ça démontre très bien comment, dépendant de comment on répond à cette question-là, est-ce que l'employé devrait être payé pour son travail? Est-ce que l'employé devrait être payé? Est-ce que l'employeur devrait payer l'employé pour le travail? Ça fait des frontières, des barrières très difficiles. On s'identifie comme de gauche, de droite, socialiste, capitaliste, syndicaliste, du côté patronal, en fonction de ça. Et fondamentalement, peu importe comment on essaye de régler ça, par l'arbitration, par des lois, on se revient à dire, c'est quoi le travail? Vous avez encore votre définition en tête, je l'espère. Ici, on voit que probablement les difficultés entre l'employé et l'employeur viennent du fait que la définition du travail, les frontières qui définissent l'idée, le concept du travail, ne sont pas claires. Pour l'employé, sûrement l'employé, lui, s'imaginait être payé pour son effort, être payé pour son temps, être payé pour la sueur de son front, tandis que l'employeur, lui, il voulait payer pour se faire un profit, il voulait payer pour le résultat, pour la valeur que l'employé allait lui apporter. C'est nébuleux, c'est pas clair, et jusqu'à ce qu'on ait une terminologie commune, ça va être très difficile de régler ces problèmes-là. Je dis pas qu'on va les régler ici, je dis pas qu'on va les régler aujourd'hui, mais avant qu'on puisse même commencer à les régler, il faut au moins qu'on ait un terme d'entente sur comment on se parle. Voici quelque chose que certains d'entre vous vont peut-être reconnaître, si vous avez fait des sciences physiques. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la formule pour le travail. C'est-à-dire, le travail, c'est égal à une force fois un déplacement. Si on veut l'utiliser d'une façon un peu plus commune, un peu plus sociale, le travail, c'est l'effort multiplié par son effet qui, on l'espère, est dans la direction désirée. Je crois sincèrement que si on veut avoir un frame commun pour pouvoir se parler de ces questions-là, c'est important qu'on trouve un chemin pour répondre à ces définitions-là. Et que le monde des sciences physiques en offre une qui est déjà presque, déjà cuite, prête à utiliser. C'est quelque chose qui peut nous aider beaucoup, non seulement quand on veut se parler, quand on veut régler des conflits, mais aussi quand on veut mieux se comprendre et mieux s'expliquer le travail qu'on fait ensemble, comment on fonctionne ensemble en société. Je vous donne un exemple très commun, celle de la puissance. La puissance, c'est un concept social très important. Mais encore une fois, c'est quoi la puissance? Bon, bien là, je vous vends pas le punch, je pense que vous savez ce qui s'en vient. Voici la formule pour la puissance. C'est la puissance est égale au travail divisé par le temps. Autrement dit, la puissance, c'est la capacité de faire un certain travail dans un temps donné. Ce qu'on a réalisé il y a évidemment très, très longtemps, ce qui est à la base de pourquoi on communique, pourquoi on travaille ensemble, pourquoi on travaille en société, c'est que nécessairement, un groupe d'individus est capable d'effectuer plus de travail dans un même temps qu'un individu seul. Donc, nécessairement, un groupe d'individus est plus puissant. Dans un monde de compétition sociale, être plus puissant, c'est survivre et c'est gagner sur ceux qui le sont moins. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est un processus très naturel. Il n'y a pas de choses qui sont plus naturelles pour l'être humain qu'essayer de travailler ensemble pour pouvoir augmenter la puissance de son groupe, pour pouvoir ensuite mieux vivre et prospérer. Et la raison pourquoi la terminologie des sciences physiques est tellement bien appliquée pour ça, c'est que la terminologie des sciences existe déjà pour décrire les processus naturels. Ce qu'on voit ici, on peut considérer un groupe d'êtres humains comme un système. Décrire des systèmes physiques, la langue existe déjà pour ça. La puissance, c'en est un exemple. Mais si on veut parler, par exemple, d'efficacité,
On s'imagine souvent dans un monde idéal, dans un monde parfait, que tout le monde fait son travail, tout le monde arrive au bout, tout le monde arrive à fin, et il y a une espèce d'harmonie, une synergie idéale. C'est quelque chose qui ressemble un peu à ce que j'ai schématisé, mais tout le monde qui a travaillé en groupe sait que plus probablement, ça ressemble plus souvent à ça. Et c'est pas faux. Et ce qui est fou, c'est que vous demandez à chaque personne qu'est-ce qu'il a fait, et chacun va vous répondre ça. Mais en réalité, ça ressemble plus à ça. Et puis là, ce qu'on voit, et ce que je veux faire réaliser, c'est qu'on le fait déjà, utiliser cette terminologie-là, d'une façon qu'on le comprend peut-être un peu moins. Ce que vous voyez maintenant avec le système de ces personnes qui font tout un travail, qui considèrent être le bon travail, mais que c'est peut-être pas idéal, c'est un système thermodynamique, c'est un moteur. Ceux qui connaissent un peu cette analyse-là vont réaliser que c'est le schéma d'un moteur où il y a de l'énergie qui rentre dans un système composé de personnes qui font du travail et qui sortent un certain travail. Et à l'extérieur, il y a des pertes. Quand on parle d'un moteur, on va parler de friction, de montée de chaleur, de bruit. Quand on va parler d'un groupe, on va dire quoi? Un groupe d'humains qui ne s'entendent pas, quand ils ont un travail à faire ensemble, on va dire qu'ils ont des frictions. Il va certainement avoir des montées de chaleur. Et puis, je vous assure que quand ils arrivent chez eux, les autres vont entendre du bruit. C'est des processus biologiques qui sont parfaitement naturels, qui se mesurent en allant de l'efficacité du système jusqu'à la montée de température d'une personne quand elle sent frustrée et qui sape son énergie. Et cette énergie-là est perdue. Ça fonctionne de la même façon que ce soit le moteur de votre auto ou que ce soit les moteurs de notre économie, les moteurs de notre travail. Alors tout ça pour revenir à dire, je vous encourage, ceux qui connaissent cette terminologie-là, de l'appliquer et ceux qui ne la connaissent pas, d'aller la chercher. Parce que c'est essentiel, si on veut gagner en puissance, il faut qu'on sache travailler ensemble.